La police de Dia s'est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente. Le prévenu qui comparaisse à l'audience de séjour, commandant de police d'audience, sous-officier de premier classe, Gagou. L'audience de séjour est déclarée ouverte, armes au pied, réponds. Abandonne mon major. Le tribunal militaire de garnison d'Enchili poursuit l'instruction du dossier qui oppose l'auditeur militaire et la partie civile, l'épouse du premier sergent Simba Kulandamana, contre le capitaine de la garde républicaine, Kawel Mbang David, poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort sur le premier sergent Simba Kulandamana. Un dossier qui remonte au 22 décembre 2016. La victime, le premier sergent Simba Kulandamana, arrêté au camp Kabila par sa hiérarchie, serait acheminé au camp Seta et placé en détention. L'auditeur militaire et la partie civile ont soutenu, depuis les débuts de l'instruction, que le premier sergent serait décédé au lendemain de sa détention des suites des coups et blessures que lui aurait infligé le prévenu Kawel Mbang David sur ordre de sa hiérarchie. Plusieurs renseignants ont été auditionnés aux audiences précédentes, notamment il confirme par ailleurs que la victime présentait des signes de fatigue des suites des blessures reçues certainement lors de sa détention par d'autres services. Kulandamana et Chimène Ngatikila, respectivement fils et épouse de la victime, le premier sergent Simba Kulandamana. David. À l'audience du jour, le tribunal a procédé à la lecture de tous les procès-verbaux de toute la phase préjuridictionnelle et des audiences, pour permettre aux parties de bien préparer les moyens à l'audience prochaine consacrée à la plaidoirie. Nous avons à la côte 6 les déclarations de Kawel Mbang. À la côte 6, c'était son PV d'interrogatoire devant le ministère public au niveau du parquet. C'était le 30 décembre, l'an 2016, c'était devant le colonel lui-même, l'auditeur militaire de garnison. À la côte 6. Antécédent judiciaire, aucun. Qui avait ordonné l'arrestation du militaire Kulandamana? Et c'était en quelle date? La réponse de Kawel, personne. Lui, il était déserteur et il était en fuite. C'était la réponse numéro 2 à la question 2. Il était de retour. C'est quand il a été arrêté au niveau du camp Kabila, à peu près une semaine. Comment est-il rentré à l'unité? Question 3. Il a été accompagné par les éléments blindés de la GR. Code 7. Question 4. Où étiez-vous pendant que les collègues de Kulandamana lui administraient des coups? Ça, c'est la question du ministère public. Où étiez-vous pendant que les collègues de Kulandamana lui administraient des coups? Réponse de Kawel. Moi, j'étais au niveau de poste. Mais, en réalité, on ne lui a jamais administré des coups par ses collègues. En réalité. Question 5. Qui avait ordonné qu'on les tabasse alors? Réponse. Question 5. En fait, en réalité,
c'est le commandant bataillon, avait juste ordonné qu'on la lève, la tenue militaire de la GR, parce qu'il était déjà déclaré comme étant déserteur. Reconnaissez-vous que vous avez été descendu au niveau de camp Kabila pour rencontrer ces militaires Nsimba Kulandamana? Réponse: non, c'est faux. J'ai été informé par mon second en disant que notre élément qui était arrêté au niveau du camp Kabila est ici, à l'aéroport d'Ndjili. Donc, quand j'ai vu cet élément, j'étais avec le commandant bataillon Mataba. Monsieur l'organe de la loi, distingués membres de parti, c'est la lecture des procès verbaux d'audition de tout le parti. Les PV de certaines pièces du dossier a révélé qu'il y a des éléments très importants. Après cette lecture, les avocats de la partie civile sollicitent du tribunal la comparution d'un médecin légiste pour l'interprétation des termes techniques contenus dans leur rapport. Une demande soutenue par la partie prévenue et aussi accordée par la composition. Nous avons personnellement eu l'impression d'entendre certaines expressions, certains mots, en tout cas, à mon humble avis, en tout cas, ce qui me concerne personnellement, ne passe pas facilement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des termes limpides, ce sont des concepts qui technique. Appelaient techniques. Nous aurons quand même souhaité que nous soyons éclairés par les concernés, c'est-à-dire les maîtres de l'art, pour pouvoir comprendre en profondeur de quoi ils parlent dans leur rapport. Nous ne trouvons pas d'inconvénient. L'essentiel que tout aille vite pour solliciter la liberté de notre client. Merci beaucoup de votre compréhension. Merci beaucoup, la vie du ministère public. Prévenu Kawel. Voilà. Et Sili, n'est-ce pas, pour l'instruction. Nandengi Totangi. Mais quoi que ce soit, Tikali, il y a une expression où il est compliqué. Le docteur, il n'y a pas de facilité. Il y a une expression où il y a une expression. Parce que nous avons Après ces observations, le tribunal militaire de garnison d'Ndjili renvoie l'affaire à 2 semaines pour la comparution du médecin légiste et plaidoirie.